vidéo 1, Samuel Rousseau qui arrive à la patinoire. On retrouve Samuel Rousseau qui fait son sac. Et bienvenue dans la Station Spatiale Internationale. Ah mais si, il faut faire les sacs troqués avec Vincent Davarier. On va vous faire un compte français Un peu, oui. Je m'appelle Vincent Delaurier. J'ai fait tout mon hockey au Canada avant de venir ici. J'ai joué junior majeur dans deux équipes, soit Drakkar de Baie-Comeau et le Phoenix de Sherbrooke. Après ça, j'ai été joué dans les maritimes universitaires au Canada à Moncton. J'ai joué 5 ans là-bas. Et par la suite, je suis venu en France, là, en Anglette, depuis cette année. J'adore, honnêtement, Anglette, c'est une belle ville. Au niveau des partisans et tout ça, j'adore vraiment. La température, on peut pas demander mieux. J'apprécie vraiment la ville d'Anglette, là, puis Biarritz. Ça, c'est les canonciers, ça. C'est dans le mieux, ça. Les bazookas! Brasse! Fabien Cazarine qui arrive à la patinoire. J'en ai arrivé pour le déplacement. Quelqu'un a déjà fait mon sac en plus. Oh shit, oui, la vie c'est bien. Yeah! Aïe! Heureusement qu'ils ont mis une autoroute à Chiversailles, sinon j'aurais été à la bourre, je pense. J'ai un parcours assez atypique dans le sens où j'ai commencé le hockey à 15 ans, un peu sur le tard. Je suis originaire du sud-ouest, du coup, à côté d'Anglette. Et il n'y avait pas de club de hockey sur glace là-bas, donc j'ai commencé par du roller hockey. Et à 15 ans, j'ai fait la passerelle vers le hockey sur glace. Donc au début, c'était assez compliqué, je manquais un peu de technique, etc. Puis au fur et à mesure du temps, finalement, ça s'est fait un peu tout seul. Et j'ai continué à progresser dans les catégories jeunes à Anglette et avant d'arriver là depuis 3 saisons. Dans le groupe pro. Les objectifs annoncés en début de saison, c'était qu'on devait réussir à faire les playoffs. Là, on est aux 3/4 de la saison, on est quand même loin des objectifs qu'on s'était fixés. Donc après, individuellement, c'est sûr que c'est dur d'être content de sa prestation quand la prestation globale et collective, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Mais il y a quand même des bonnes choses. Il nous reste encore 10 matchs pour essayer de remonter et finir au mieux. Il faut regarder le positif et les matchs qui arrivent. On a fait une bonne série là récemment en battant des concurrents directs. Donc voilà, on va aller chercher tous les points qu'il y a à chercher sur la route et à la maison. Et puis on fera les comptes à la 44e journée, quoi. Grenoble, c'est une des grosses écuries du championnat. Elle fait partie du top 3 qui domine un peu pour l'instant les débats depuis quelques saisons. Cette année, à la maison, on a failli les surprendre lors de la troisième rencontre. Là, c'est la dernière fois de l'année qu'on les joue. On veut essayer de faire les choses du mieux possible, essayer de prendre le maximum de points, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, on va y aller avec les dents qui rayent le parquet, comme on dit, et essayer d'aller chercher le maximum de points. Peu importe l'écurie qu'on aura en face, quoi. On s'attendait peut-être un petit peu à mieux au niveau des performances sur la patinoire. Je sais qu'on avait vraiment une bonne équipe sur papier. On avait des bons jeunes, des bons joueurs, tant au niveau des Français que des niveaux des importés. Mais ouais, je pense qu'on s'attendait à mieux. Il reste encore une coupe de matchs avant la fin de la saison. Puis on espère aller ramasser le plus de points possible pour se préparer pour les play-downs. Je m'appelle Frédéric, j'ai 60 ans et ça fait 6 ans que je suis dans l'équipe, depuis la montée en Magnus. Je suis le responsable équipement du club, c'est-à-dire que je m'occupe bien évidemment de tout le matériel. Et en fait, on peut résumer ce rôle comme étant plutôt la nounou de l'équipe. C'est-à-dire que dès que les joueurs ont un besoin, il faut être là. Anglette, ça a toujours été un club un peu famille.
où tout le monde est assez proche. Nous, on essaie, les joueurs, d'être proches au maximum des supporters et ils nous le rendent plutôt très bien. Ils sont là chaque match, ils ont tout le temps été là. Ils font beaucoup de bruit, puis on les apprécie vraiment, les Concha Boys. Puis même à toute l'aréna, je pense qu'on vous remercie pour tout ce que vous faites, puis nous suivre tout au long de l'année, même dans les moments un petit peu plus difficiles. Tous les points qu'on prendra là sur les journées qui arrivent, ils seront importants parce qu'à la fin, on garde nos points de toute façon. Donc, il faut aller chercher le maximum de points. Et puis après, quand les matchs de play-down vont arriver, il faudra qu'on soit à la hauteur et ça va se jouer à couteau tiré jusqu'à la fin de toute façon. Donc voilà, on va essayer de prendre le maximum de points. Allô, foot ? Just that. Put the good energy for the next 20 minutes. And just that, we need one goal. Come on, guys. Come on. On a bien réagi dans la troisième période. On a travaillé tout au long du match. On a serré un peu, on a fait le dos rond un peu sur les deux premières. Et sur la troisième, on a un peu lâché les chevaux. Le power play a fonctionné ce soir, donc ça nous a fait vraiment du bien. Il faut qu'on continue à travailler sur tout le positif de ce match. Continuer à travailler avec l'envie comme ça. Et voilà, il nous reste 9 matchs qu'à la fin de saison. Il faut jouer comme ça contre toutes les équipes, prendre le plus de points possible et on fera les comptes à la fin. On a fait des bonnes choses. Ce qui est positif, c'est qu'on manque de buts sur nos power play. Notre pick-in ne prend pas de buts ce soir.
qu'il y a des bonnes choses à construire. Maintenant, c'est tous ces petits points-là qui nous font mieux, qui nous feront du mal à la fin de saison. Quoi. Avec l'équipe en ce moment, ça va quand même assez bien au niveau l'esprit et tout. Donc, je me sens quand même assez confiant pour les play-downs, le reste de la saison qui s'en vient également. L'Ormadi, c'est une équipe qui est quand même assez fière. Ils veulent rester en Magnus. Puis dans l'équipe, on sent qu'on a les supporters en arrière de nous. Puis on va tout faire pour qu'on reste en Magnus. Merci d'avoir suivi notre journée à Inside Ormadi. C'est une journée type, comme vous pouvez le voir, jour de match. Donc merci de nous avoir suivis et puis on se retrouve sur Genesis. À la prochaine!